Coucou mes choubidous. Alors, j'étais chez Action. Alors, action, réaction. Tout d'abord, j'ai craqué. Non mais regardez. Je sais, hein, c'est pas cool. Hein. J'ai déjà acheté un pull de Noël, c'était le seul. Et je sais qu'après, il n'y en a plus. Alors, ils sont à 8,99. C'était le seul qui était en gris. Mais je sais pas s'il va pas être trop grand. De toute façon, même s'il est trop grand, c'est pas grave, ça se porte grand. Hein. Regardez comme il est beau. Il est trop beau, hein. Donc, regardez, il est magnifique. Donc, du coup, ben, je me suis acheté ce petit pull-là. Je l'ai payé 8,99. Foncé, parce qu'il n'y en avait que 3-4. Hein, et je pense, je me demande même si c'est pas une collection. Je ne l'ai jamais vu. L'année dernière, j'ai jamais vu cette colorie-là. Ce coloris-là, dites-moi si vous l'avez vu. Moi, je ne l'avais pas vu, hein. Mais franchement, il est trop bien. Donc voilà, j'ai acheté ceci. J'ai trouvé... Ouais, parce que c'est bientôt Noël. J'ai trouvé cette petite assiette, 99 centimes. Je l'ai trouvée trop choupinette. Elle est trop belle. Elle est en mélanine ou je sais pas quoi. Qui s'y croit, qui dit qu'elle s'y connaît, mais c'est du plastoc, quoi. Mais bon, c'est pour Noël. Voilà, je trouvais que c'était mignon. Pour Noël, pour moi, pour grignoter le midi. Voilà, je trouvais ça sympa. Pour regarder les films de Noël. J'ai acheté ceci parce que j'ai payé 2,49€. Ouais, c'est un calendrier de l'Avent. Je vais acheter chaque jour un petit truc. Ou, voilà, et je le mettrai là. Puis je serai bien contente. Tous les jours, je m'offrirai. Je peux mettre un petit truc, une de marque ou n'importe. Hein, peu importe. Voilà. J'ai décidé de faire ça. J'ai trouvé ceci 85 centimes. Ben en fait, c'est pour manger tout simplement parce que j'adore des fois pas faire la vaisselle. Je suis une vraie feignasse. 85 centimes. Et ceux-là, je peux vous les montrer. C'est du... Voilà. C'est pas comme les assiettes en plastique. C'est un peu plus costaud. Et pour mettre mes torchons, parce que j'en ai marre de mettre mes torchons, de les laisser traîner, je vais les mettre sur ma porte. J'ai payé ça 1,49€. Et comme ça... Je vais mettre ça sur ma porte de meuble de cuisine et j'aurai mon petit torchon qui sera là. Je trouve ça super sympa. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout. Je suis allée aussi chez New Yorker. Alors, je vous dis pas le prix parce que je vais faire un cadeau. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est trop choupinou. Voilà, et du coup, j'en ai pris un jaune et j'en ai pris un noir. Ils sont mignons, hein? Franchement, des petits trucs qu'on met ça dans son sac et tout. J'ai trouvé ça trop choupinou. Et j'ai trouvé, pour moi, bien sûr c'est vert, hein, 2,99€, c'était en solde. Je me suis dit, c'est pour moi. Ça peut être que pour moi. En plus, j'ai pas de doré. Ça, magnifique. Franchement, elles sont sublimes. Hein. Elle est superbe. Regardez ça. Faut que je la vernisse, hein. Parce que... Action. Action. Réaction, bien sûr. Alors je pioche. Alors vous savez que l'autre fois j'avais acheté des petites gamelles à ma fille et je les trouve super géniales, 1,20€. Du coup j'ai pris celle-ci, voilà, qui est trop mignonne. Non, c'est pas celle-là, celle qu'elle avait, elle était fond noir. Voilà, 1,20€. Et je lui ai trouvé celle-ci qui est trop belle aussi. Franchement, pour 1,20€, c'est beaucoup plus propre que du plastique et franchement, c'est très bien. Et je l'ai trouvé. J'ai ceci, 80 centimes, parce que l'autre fois, j'ai mangé des bulots et je me suis dit, mince, j'ai des bulots et j'ai pas de... Non, ceci, ce sont des cure-dents. Bah oui, hein, je peux être quoi? Des fourchettes? Non, c'est des cure-dents. Voyons, donc je pioche. Mon fils a 36 ans. Si je prenais du petit bricolage en chocolat avec la petite scie, 1,49€. La petite scie, le petit tournevis et la clé à monnaie. Comme il n'est pas bricoleur pour deux sous, peut-être que ça lui donnera une idée. Peut-être. Ou petite pas, ça tremble. Ça tremble. Donc comme il est gourmand, après il a acheté des gâteaux et tout, des conneries et machin, la nuit il aime bien grignoter. 89 centimes. Je sais que c'est pas bien, pas simplement... une mauvaise habitude parce que comme ça il va reprendre encore du poids quoi, donc c'est pas cool, mais bon, je me dis s'il veut, hein, Mimi c'est le rara, c'est le miracle. Je pioche. Ah oui, alors
Ça, c'est ma Française adorée, chérie, Miss Gazelle, que j'adore, 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 j'adore. Je sais que vous êtes abonnée à elle, mais bon, si vous êtes pas abonnée, s'il y en a qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne de Miss Gazelle. C'est ma chouchounette. Tout comme abonnez-vous à la chaîne de Mamie Corinne. C'est ma poupounette aussi. C'est ma sœur et à moi. Alors, voilà. Donc, ceci, elle m'a dit que c'était très bien. Un legging 100% denier, il a l'air très chaud, il est thermal. Franchement, pour l'hiver, ça va être super. Je l'ai payé 2,99€. Je ne suis pas comme Freddy Beauty. Ah, allez voir aussi Freddy Beauty parce que c'est un amour. Abonnez-vous aussi à sa chaîne si vous voulez. Moi, je l'adore. Il mange toujours en cours de route, mais moi, je ne mange pas en cours de route. Des rotolino. Le rotolino, c'est italien. C'est des crèmes avec du lait, moi j'aime pas le lait, donc c'est pour mon fils. Il va me dire, ah maman, t'as encore acheté des conneries. Lui, il aime bien bio, alors... Déjà, j'ai acheté un super gâteau. Ah oui, alors j'ai acheté ça. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai acheté parce que c'est Noël, bientôt. Et je me dis, Sybille... Après le pull de Noël que j'ai acheté... Je me dis, Sybille, même si tu es toute seule, il y a ton fils qui va venir. Et puis peut-être tu auras un prince charmant, va savoir. Peut-être tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Donc je vous montre comment c'est. Je ne sais pas moi-même. Alors voilà, la logique et moi, ça va être en faire, ça va faire deux. Alors, voilà. Alors, je vais demander si c'était pas cassé. Hein. Voilà. Il y a ça. Et ça. Alors je suppose que. Mais c'est cassé ce truc-là. Regardez. Normalement, ça doit être là. Je le ramène. Hein. Enfin, pour un 99, je vais pas me prendre la tête. Hein. Voilà. Et voilà. Mais le problème, c'est comment faire tenir ça. Yo, yo, yo. Voilà. Aujourd'hui, on est là. Comme ça. Bon, ben, je vais demander à mon fils. Doudou, comment tu fais? Elle me dit, j'en ai marre, je sais pas, tu me demandes. Mais écoutez, j'ai trouvé ça super mignon. À la base, il y avait ça, et il y avait ça comme ça, et on avait l'impression que effectivement ça tenait comme ça. Voilà, et puis on bougeait le jour comme ça. Voilà. Ben, en fait, ça tient pas. Mais bon, c'est super mignon, mais ça tient pas. Mais bon, j'ai payé un 99, je m'en fous. Je vais pas me prendre la tête. En plus, je lui ai dit, vous êtes sûr que c'est pas cassé? Il m'a dit, non, si c'est bien emballé, c'est pas cassé. Et petit bounty pour mon fils, 1,29€. Et ceci, que je vous ai dit tout à l'heure, la petite assiette. Et puis, je suis allée chez Choche. Oui, c'est vrai, c'est chaud, t'as été chez Choche? Mais oui, je suis allée chez Choche. Mais non, t'as été chez New Yorker. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté ça. Mais je l'ai pas pris rouge, je l'ai pas pris vert, parce que je me suis dit, si je le prends rouge... Eh ben, j'ai pas de gilet et comme c'est un t-shirt, je vais avoir froid aux fesses. Donc, je me suis dit, ben, Sybille, tu vas le prendre en noir. Il est beau en noir, c'était le seul. La vendeuse, elle m'a dit, vous pouvez les ranger. Je dis, attendez, c'est pas moi qui les ai défaits. Mais je les ai rangés quand même. Voilà. Voili, voilou. Je l'ai payé 4,99€. Il n'est pas mignon. Regardez. Voilà. Et je me dis, ça, je pourrais le mettre. Bon, c'est sûr que c'est Noël, c'est pas noir, mais m'en fous. Je pourrais le mettre avec tout simplement. Un petit gilet, quoi. Un petit gilet noir. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pas pris en rouge. Et puis, je suis allée. T'as été où, Sybille? Mais t'as été où, Sybille? Ah ben, j'étais là. J'espère que vous êtes contents de me revoir un petit peu délire. Et j'espère sincèrement pouvoir retravailler aussi bientôt. Parce que, pour l'instant, là... Mais bon, je suis fatiguée de rien faire, en fait. Je suis fatiguée à rien faire. C'est grave, quand même. Je suis allée à la pharmacie. Bien sûr, j'ai acheté mes médicaments. Je vais pas vous montrer les médicaments que j'ai achetés. Par contre... Je vais vous donner un petit conseil. Quand vous êtes anxieuse, quand vous avez des difficultés pour vous concentrer, parce que justement vous avez un gros stress et ça ne va pas du tout, vous n'êtes pas bien, eh bien, il y a un remède. Le remède, c'est celui-ci, le Rhodiol. Rhodiol. Alors moi, je vous conseille la marque Phyto Standard. Je n'ai pas de partenariat, mais voilà, Phyto Standard et Rhodiol. Et franchement, il faut en prendre une gélule. De toute façon, c'est marqué derrière. Alors, si ça va, vous en prenez une, sinon vous en prenez deux. Mais sachez que ça ne fait aucun mal, mais aucun. Ce sont que des plantes. Alors,
Il n'y a pas de truc traficoté. Alors, SOS, Sybille, où t'as mis la pile là, vous vous rappelez hier? Ah non, vous vous rappelez pas. Avec le calendrier de l'Avent. Allez voir mon calendrier de l'Avent que j'ai ouvert, qui est magnifique, de chez Lancôme. Voilà. J'ai ma lampe. Ça, c'est génial. Je vous assure, je l'ai acheté à Lidl. Je l'ai payé 3 euros. 2,99. Alors, rhodiole. Alors, je vais vous dire. D'ailleurs, on a franchement pas besoin de lunettes. Alors, le complet, quand même si. Le complément alimentaire ne peut se substituer. Alors, c'est là. Alors, attendez, il faut que je vous dise exactement. Voilà. Extrait de rhodiole, rhodiola rosea, biologique, super. Fibre d'acacia biologique. Fibre d'acacia biologique. Pourquoi je me le répète deux fois? Gélules végétales, anti-agglomérant, huile de colza biologique. Valeur pour deux gélules, extrait 442 mg. Complément alimentaire à base d'extrait de rhodiole. Enfin, ils appellent ça complément alimentaire, mais c'est vraiment pour la santé, quoi. Et maintenant, je vais essayer de vous trouver la notice. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, il faut regarder. Moi, je le sais parce que j'ai demandé à la pharmacienne et c'est surtout que j'avais déjà pris quand j'avais eu un gros problème, un gros stress énorme. J'arrivais pas à m'en sortir. Même au travail, c'était tout le monde était inquiet. Comme là, quoi, un peu. Mais là, je vais un peu mieux. Mais c'était un état... J'étais dans un état lamentable. Et du coup, j'ai une amie, elle m'a dit « Sybille, prends du rhodiole. » Et quand j'ai pris ça... Ben, ça m'a fait du bien. Et par contre, je prends du gingembre. Alors, pareil, la même marque, Phytostandard, complément alimentaire, alors extraction brevetée. Alors, pareil, il y a du extrait de gingembre, zingiber officinal, support fibre d'acacia toujours, fibre d'acacia encore, gélule végétale, anti-agglomérant, huile de colza biologique. Tout est biologique. Ça coûte 7 euros... 50 et celui-là il coûte 9 euros, je sais plus quoi. Alors c'est cher, je reconnais que c'est cher parce que vous avez que 20 gélules dedans. Mais vous faites une cure de 15 jours et croyez-moi, pourquoi je fais ça? Vous faites une cure de 15 jours et croyez-moi, ça va vous faire un bien fou. Voilà, et moi c'est ce que je vais faire. Voilà, je prends le gingembre. Le gingembre c'est pour les nausées, c'est pour plein de choses. Notamment c'est très bon pour la santé parce qu'on peut manger. Moi, j'ai un ami qui mangeait tous les matins un morceau de gingembre. C'est aphrodisiaque, mais ce n'était pas parce que c'était aphrodisiaque, pas du tout. Hein. C'est tout simplement parce que c'est bon pour la santé. C'est très, très bon. Et le rhodiole, c'est surtout pour que vous soyez bien, que vous soyez détendu, relax, que vous ne pensez pas, ça fait du bien. Voilà. Sur ce, on a fini. J'ai eu des échantillons. J'ai eu des échantillons. Ils sont où? Je ne sais pas. Bon, je vous montre un truc vite fait, hein, mais je ne veux pas trop en parler. Hein. Voilà. Ceci. Et je vous dis juste, allez sur le site Vova. D'accord? Ok? Voilà. Je l'ai mis en fin de vidéo. C'est génial. Je l'ai payé 5,70 €. C'est une pure tuerie. Il est magnifique. Regardez. Il est splendide. Voilà. Mais bon, je ne veux pas trop le montrer, quoi. Voilà, voilà. Alors, sur ce, ben, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez. Ça fait toujours plaisir. Ça nous met plus dans l'algorithme. Et puis... c'est pas parce qu'on a eu 100 000 ou 200 000 vues que, en fait, les personnes viennent plus sur nos vidéos. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de polémiques sur ça. Hein. Beaucoup de polémiques parce que la pub Nana, effectivement, ça a engendré énormément de polémiques. Il y en a pas mal qui en ont profité. Mais pas malheureusement, ils n'en ont pas profité tout de suite. Ils en ont profité maintenant. Ce qui fait que quand ils parlent de la pub, ils parlent de la pub qui dure 34 secondes. Non. Non, nous on parle pas de celle-là. Nous on parle de la pub, celle qu'on parlait au début. On parle de la pub tout simplement qui a duré 2 minutes 34. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir le décortiquage de la pub
sur la pub Nana. En fait, à un moment donné, il passe des images très très vite, hein, mais très très vite. Eh bien, quand vous voyez les images, vous êtes choqués, je vous le dis. Hein. C'est limite bizarre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement... vous faites, comment dire, vous allez sur mon blog, ce soir on va se marrer, ce soir on va se marrer, blogspot.fr, et là vous aurez carrément le décortiquage de la pub. Il suffit de marquer ce soir on va se marrer, blogspot.fr, de toute façon vous l'avez direct, parce que comme c'est tout attaché, et vous mettez pub Nana, ok, mais vous verrez. Voilà, bah sur ce, puis je mets pas mal de choses sur mon blog aussi, mais c'est des trucs que je mets, que j'aime bien, que voilà, des chansons que j'aime bien, des trucs, voilà, je ne mets pas forcément d'articles. J'en faisais avant, mais j'en fais plus. Bon, ben, mine de rien, on n'a pas arrêté de papoter, hein. Bientôt, il y aura Alain qui va venir, quand, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a mon fils qui arrive, je vous embrasse, et puis moi, je vais de ce pas, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais faire Vinted, parce que j'ai énormément d'affaires, énormément de choses que je ne mets plus, qui sont belles. Alors, quand je ferai Vinted, je vous mettrai le lien, parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Il faut que je trouve un mannequin. J'en avais un et malheureusement, je ne l'ai plus, je l'ai jeté parce qu'il y avait le pied qui était cassé. Il faut que je trouve un mannequin pour pouvoir mettre les affaires dessus. Donc ça, c'est mon objectif, parce que je n'ai pas envie de les mettre sur la porte comme ça. Je préfère que ce soit posé sur un mannequin. Alors j'en avais vu pas mal sur Amazon, je vais voir. Voilà, et puis ben, je vous tiendrai au courant, je vous dirai, parce que j'ai l'intention de vendre beaucoup. J'ai énormément de choses que je vais donner, et d'autres, en fait je vais faire quatre cartons comme je vous ai dit l'autre fois. Un carton pour donner, un carton pour jeter, un carton pour vendre, et un carton où je garde. Voilà, donc il faut... mais de toute façon, c'est déjà pas compliqué parce que dans mon armoire, j'ai déjà trié. Donc maintenant, c'est tous les... J'ai 8 caisses. Vous savez, les poufs, là, ils sont remplis de fringues. Des fringues et des étiquettes et tout. Hein, c'est n'importe quoi. Hein. Donc voilà. Donc il faut vraiment que je les vende, que je vende pour faire plaisir, puis pour pas cher, quoi. Voilà, mes choubidous. Sur ce, ben, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Je vous embrasse. Bye. Ciao. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu le plus dans mes achats actions. Ce qui vous a fait le plus rire. Voilà. Pas ce qui vous a plu. Ce qui vous a fait le plus rire. Parce que moi, je sais ce qui m'a fait le plus rire. Bref. Bye. I love you. Je te quiero, te amo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Bye bye.